D'accord, merci bien. Il m'a dit là-bas dans le fond, le chemin à droite et la ferme droit devant. Bonjour toi. Oh la jolie fontaine. Bon allez, bonjour. Ah là là, alors. Ah, distributeur, on ne sait jamais si j'ai besoin d'argent. Allez, cours un petit peu, si c'est tout près, on y est. Le petit chemin à droite. Ça devait être le chant que ce bon vieux Marcel avait commencé. Alors, nous y voici. Ah, mais il a toujours sa vieille cox. Il n'a pas roulé beaucoup, il n'a pas pris une ride. Alors, voilà donc sa ferme. Salut les poules. Ça va bien. Ah là 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 là. On voit que ce vieux Marcel est tout seul. Hein. Il a dû laisser aller dans sa ferme. Qu'est-ce donc ça? Oh là là, c'est tout rouillé. Il devrait évacuer ça. Bon, allons-y. Bon, comme il m'a donné les clés de sa coccinelle, on va profiter, faire le tour du village un peu. Eh bien, elle démarre au quart de tour. Bon, allez, on y va. Attention. On va pas accrocher la voiture. Allez, c'est parti, on va passer par là puisque je suis venu par là. La ferme bio. Alors l'abattoir, le vieux moulin, la laiterie, le grand blé, la grange à blé. Et le BGA, d'accord. Bon, il roule à gauche ou à droite celui-là? Ah, ça c'est le concessionnaire. Petite vue extérieure. Pour mieux profiter. Ah, le vieux semoir que je dois venir rechercher, d'après ce qu'il m'a dit. Le garage avait dû le refaire. Allez, c'est parti. Allons visiter. Ici, c'est là où on vend l'herbe et la paille, apparemment.
petite serre. Ici, on a les semences. Je suppose qu'on peut acheter. Oula. Oui, on va explorer un peu plus loin. Non, ben ça va, il y a du travail. On va pas s'ennuyer. Non, non, c'est pas encore l'heure que j'aille à la messe. Donc à droite, c'est la ferme. Le vieux moulin et l'abattoir. Bah, allons voir le vieux moulin et l'abattoir. Ah, quelle belle eau. Ça donne envie de se baigner. Un champ à vendre, ça. C'est pas pour tout de suite, on verra. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Je demande si c'est pas ici. Les veaux ou les cochons. On va pas rentrer en voiture, hein, on va y aller à pied. Je vous entends les cochons, mais je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Ah, vous êtes là, les pauvres malheureux. Il n'y en a que deux. Ah là là. Alors on voit à côté, ça doit être les veaux. Et des veaux, en a-t-il? Oh, mais t'es pas malheureux, toi, là, tout seul. C'est toi tout seul qui fait autant de bruit. D'accord, stocker le matériel un peu là. Le fumier aussi. Allez, alors on va voir plus loin ce qui se passe. Et ouais, c'est ce que Marcel m'avait dit. Il n'y a plus un seul agriculteur à part lui. Alors on va essayer de reprendre la ferme en main. La faire évoluer. Acheter tous les champs, hein. Ça évitera que on vienne construire des maisons. Voilà l'abattoir. Des gens bien qui se promènent toute la journée, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que c'est la deuxième maison. Là où on peut mettre le bois. Ça doit être ça, à mon avis. Ici, on stocke les copeaux. C'est bien ça.
les petits hangars, c'est bon tout ça. Les portes automatiques. Qu'il aurait cru en voyant l'état des portes, que ça soit automatique. Le bus passe par ici, bah dis donc. Alors, le train par là, on ne s'est pas passé. Donc ici, on vient sûrement pour vendre nos bois coupés. Encore un champ. Bon, ben, je vais suivre la route par là. On va voir où elle m'emmène. Ah, une bonne douche. Ah, ça ressemble au BGA. Juste trouver par où y aller. Voilà qui est fait. Un bouchon hein, celui-là. Pas que si on fait des balles de paille rondes. Celle du dessus va vite être en bas. Alors ici, c'est le bio. Le biogaz. Comme je vois, il est aussi vieux que la ferme à Marcel. Va falloir redonner vie à tout ça. Mais c'est pas avec les petites vaches à Marcel qu'on va faire grand chose, il doit pas en avoir beaucoup. Et ici, qu'est-ce qu'on a? À part un joli monument. Ah oui, la machine à compost. Un joli monument. Allez, alors en droite. Allez, doucement, tu connais pas les routes. Donc je viens de par là, je ne sais plus. Oui, je viens de par là. Non, je viens de par ici. On va sûrement parler au champ là. Oula, ça c'est dangereux, ça, barrière qui s'ouvre dans le mauvais sens. Champ d'herbe pour nourrir les animaux. Voilà. On va y rafler la voiture si je continue. La laiterie. Ils roulent tous au milieu ou à gauche ici. Ils connaissent pas la droite? Donc ici, je suppose qu'on vient livrer le lait. Parce que je pense pas qu'ils viennent le chercher à la ferme.
façon, c'est mieux de le livrer soi-même que de le faire venir. Parce que service payant, je suppose. Alors ici, un point de vente. C'est ça. Alors, la laine, d'accord. C'est bien ça, c'est indiqué. Pas besoin de chercher 2 heures. Encore des vieux silos récupérés de Russie. Nepcopsense. Un autre point de vente. Ça reste un silo à chaud. Ça y ressemble à voir les dessins. Allez, on continue l'exploration de la ville. Enfin, plutôt du village. En tout cas, c'est vraiment joli par ici. Bon, je vais aller tout droit, je reviendrai par là après s'il faut. Ah, c'est la route par laquelle je suis venu avec le bus. Un accès au champ. Ici de l'herbe à tondre, je suppose qu'on peut la prendre. Bon. Un petit tour par là. Je suppose qu'on passe par la forêt maintenant. Bien belle forêt à entretenir. Ils sont déjà au boulot, ne restons pas là. On ne devrait pas prendre un arbre sur la tête. L'eau est calme ici, paisible. Serait-ce un moulin? Oui, c'est ça, un moulin à eau. Je ne pense pas qu'on vienne vendre quelque chose ici. Non, non, pure décoration. Mais c'est magnifique. Alors, encore un champ. Celui-là, il a l'air grand. Y a de quoi faire ici dedans. Ah, celui-là aussi. Faire les pommes de terre, les betteraves, c'est intéressant. Mais il faut le matériel pour.
Allez, bonjour, ça mord. Oui, chut, chut. Un BBC. La fortune vient en dormant. Une vieille radio. Toujours des chansons à acheter, acheter. Sais pas où je dois aller, je vais aller par là. Boutique du barrage. Boutique du barrage. Hop là, ça tourne. Boutique du barrage. Il y a de quoi s'y perdre dans cette petite route. J'espère que je vais retrouver le chemin de la ferme après. Oh, la belle chute. Ah, ici on peut stocker, mais stocker quoi? Du matériel ou des produits? Du matériel à mon avis. Boutique du barrage. Ça doit être là, en contrebas. Alors, je vois les semences. Ça ressemble à du colza. C'est ça. Du froment. De l'orge, enfin. Là, apparemment, on vend la paille. Et on tombe sur un champ de colza, à mon avis. Elle ne va pas rouler dedans. Hein. Allez, on est reparti. Vieille chapelle. Oula, c'est acrobatique. Coin, coin, les canards. Et ici, qu'est-ce qu'on a?
barrage, à mon avis. Il y a une boutique du barrage, il doit y avoir un barrage. À mon avis, ici, on peut venir chercher de l'eau. Sûrement payante. Regarde où tu vas. Ah oui. Pas mal, pas mal. Je pensais que j'avais perdu la choupette. C'est blanc, ce n'est pas de la farine. Je suppose que c'est le calque. Un petit champ là. C'est ça, le calque. Allez, maintenant on va rechercher la ferme. Est-ce que c'est bien beau de se promener? Mais on est là pour travailler. Juste que je retrouve le chemin de la ferme. Encore une belle forêt. Voilà, donc j'ai vu le tour, là je suis venu tout à l'heure. Par là que je n'ai pas été. Alors on y va. Ici, c'est l'abattoir. Là, il y a du foin, donc je suppose que c'est pour vendre le foin. Ils sont pas doucement parce que je vois que le pont n'est pas très plat. Pas prendre de risques. On va pas mettre la voiture de Marcel dans l'eau.
La ferme bio, voilà, c'est à gauche. Ben alors, ça s'ouvre pas? Toutes les autres s'ouvrent sauf celle-là? Quand même bizarre, ça. On va rentrer par où on est sorti alors, hein. Bizarre, toutes les portes s'ouvrent sauf celle-là. Ouais, non, pas maintenant. Un jour peut-être. On va ranger Choupette là où il était. Et bien voilà, c'est ici qu'on se quitte les amis, on se retrouve la prochaine fois pour commencer le travail. Enfin finir le travail que le bon vieux cousin Marcel a commencé. On va aller découvrir son matériel. Mais ça, c'est pour la prochaine. Allez, bye bye.